société. Vous savez mon nom, ma mère, c'est de votre micro. Laisse un personne. La fois, il souque, à quoi t'as dit, il va décréter des nationales. Jamais. C'est comme si les gens. On a pas dit de vous le dire. Ils sont pas considérés. Non, je veux dire. Ils sont pas considérés à quoi. Nous avons voté. Tous les votants de notre goût là. Qui l'a su quand député d'Europe a avion la cœur musique à la routine? Non. Et pour vous, non, je décide. Quand des personnes on dit non, je décide. Ça, c'est le nom. Je décide. Des personnes, d'abord, ils souquent. 200 personnes avaient déclaré des nationales, 200 personnes, les gens passent la nuit dans l'hôtel, 200 personnes font des cabarets là-bas, est-ce que vraiment? Regarde. Les circonstances atroces dans lesquelles vous êtes partis nous interpellent dans notre conscience et notre humanisme. Le gouvernement provincial et toute la population du Nord Kivu adressent donc ses condoléances aux familles biologiques de ceux qui ont perdu la vie dans ces drames et rassurent les blessés, les veuves, les veufs, les orphelins, et autres personnes affectées par cette barbarie de ses prières pour qu'ils trouvent le réconfort et la guérison de la part du Seigneur. Mais soyez sûrs que vous nous laissez dans le front de la défense des terres de nos ancêtres, dans la lutte contre la balkanisation, en criant tout et fort de ne jamais trahir notre pays. Je crois que ça ne doit pas rester impuni. Nous sommes en train d'appeler à cette même communauté internationale d'arrêter à soutenir les sanguinaires de Paul Kagame. Nous sommes en train d'appeler à cette même communauté internationale de diligenter des enquêtes profondes de manière que le responsable puisse être déniché et qu'il puisse subir ou répondre de leurs actes. Je crois que nous ne resterons pas en train d'enterrer nos compatriotes. Et étant donné que nous sommes jeunes, je crois qu'ensemble, nous devons unir nos efforts pour rechercher et retrouver encore une fois la souveraineté de notre pays. Vous devez tous savoir que nous sommes victimes de l'agression rwandaise et cette agression est en train d'être faite par le sous-titre du gouvernement rwandais qui est le M23. Et ce mouvement rwandais, le M23, qui est en train de forcer la population à quitter leur milieu respectif. Et c'est de cette manière que cette population qui est en train de subir le problème dans des cas de déplacés, qui sont en train d'affronter des cas de vol dans leur cas de déplacés, et parfois ils ont beaucoup de maladies desquelles ils ne savent pas survivre. Et voilà, nous venons d'enterrer plus de 200 personnes. Et on ne sait pas, on va enterrer un peu en guerre. Je crois qu'ensemble, si on pouvait nous unir pour rechercher la paix, et surtout
pour voir comment mettre en dehors l'ennemi qui est en train de nous agresser pour que cette population puisse rentrer dans leur milieu respectif. Nous sommes délaissés à Goma. Est-ce que nous sommes considérés comme un problème dans la République démocratique du Congo? Chaque jour, les députés quittent là-bas pour venir. Chaque jour, de passer la nuit en hôtel, tout ça vraiment. Et on a voté les députés. Est-ce que nous avons des parlementaires? Mais qu'est-ce que vous demandez maintenant au gouvernement maintenant face à cette situation? Le gouvernement, il faut cesser ça, terminer ça. Comment terminer ça? L'important, c'est pas pour enterrer les gens. Il faut prendre des mesures. Il faut prendre des mesures. Il faut prendre des mesures quand même.